Merci d'être sur la télévision La Barre pour suivre le journal de ce samedi 1er juillet 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec du sport et c'est pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN U23 Maroc 2023. Le Niger joue son troisième match décisif ce soir contre le Mali. Un match décisif, déjà, car en cas de victoire, le Niger va décrocher son billet pour les demi-finales. Il a donc qui va rentrer dans l'histoire du football nigérien. Le MENA a fait un match nul, comme vous le savez, c'est un rappel contre le pharaon d'Égypte. Lors de sa première sortie à la deuxième journée, le Niger a remporté donc la victoire contre les Panthères du Gabon sur un score d'un but à 0. La rencontre de ce soir donc est d'un grand enjeu pour le 11 national. Le sélectionneur de cette équipe en est conscient. Je propose de suivre Zakaria Ibrahim. En tout cas, nous abordons ce match avec beaucoup de sérénité. Les joueurs vraiment, malgré le match qu'on a joué, malgré le voyage, en tout cas, récupère doucement, sous la direction des médecins et des kinésithérapeutes. En tout cas, tout se passe bien, le moral est bon. On a fait une dernière séance hier de relaxation et de relâchement. En tout cas, tout s'est bien passé. On a senti l'enthousiasme et l'ambiance autour de cette équipe. En tout cas, l'état d'esprit que les joueurs affichent est bon. Et sans nul doute, demain, nous aurons, comme d'habitude, le meilleur de même pour arracher une qualification historique, n'est-ce pas, pour les JO Paris 2020. L'entraîneur du MENA U23, Zakaria Ibrahim, donc, qui s'est dit confiant quant à la rencontre de ce soir. Dans cette compétition, le 11 national, le MENA U23 est soutenu par les autorités nigériennes au plus haut sommet de l'État, mais aussi par les citoyens et les amateurs du ballon rond. Le président des supporters de l'équipe nationale du Niger, MENA, Abdourafa, s'est dit aussi confiant. La victoire est certaine. On l'écoute. Donc, nous avons fait un match nul contre l'Égypte, qui était redouté. Bon, nous, on a joué sans embâche et on a battu donc, l'équipe qui avait remporté ce premier trophée en 2011, qui est le Gabon. On sera donc fixé sur notre sort par rapport à la qualification pour le prochain tour contre le Mali. Et je pense que, Inch'Allah, à ce niveau aussi, et nous n'avons rien à craindre, Inch'Allah, et on va se qualifier. On va engranger au moins un point, je dis au moins un point. On peut battre le Mali pour vraiment se qualifier pour les demi-finales. Je vais profiter donc de l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des Nigériens, comme d'habitude, pour prier pour le MENA et également profiter pour saluer et remercier les autorités du Niger, au premier chef, Bazoum Mohamed. C'était à l'instant Abdourafa, président de l'équipe nationale du Niger, le MENA, qui réagissait relativement donc à la sortie du MENA U23 dans moins de 2 heures face au Mali. Donc c'est à Tanger au Maroc. Bonne chance à l'équipe nationale. Autre aspect de cette édition, il vous souvient que le 16 juin dernier, la télévision La Barre a réalisé un élément portant sur la transformation d'une partie du pont Kennedy, ou communément appelé premier pont, en dépotoir sauvage. Un élément qui a fait réagir les autorités de la ville de Niamey en initiant hier, le 30 juin, donc une opération de salubrité. Le constat est signé Adam Soumana et Ibrahim Aboudou. Transformé en dépotoir sauvage par certains concitoyens qui ne songent qu'à leur seul et propre intérêt, le pont Kennedy fait ainsi l'objet d'une vaste opération de salubrité initiée par la municipalité. Occasion pour le premier responsable de l'arrondissement communal Niamey 5 de rappeler comment en est-on arrivé à cette situation déplorable. Des citoyens nigériens, des charretiers notamment, qui ramassent des ordures au niveau de la rive gauche et qui se donne le malin plaisir de venir les déverser sur le pont côté fleuve. Nous avons à un moment placé un agent, un garde sanitaire à l'entrée du pont
qui a pour mission de surveiller le pont pour guetter l'arrivée de ces charretiers-là. Suite d'ailleurs à cette opération, on a eu interpellé quelques-uns et à les verbaliser. Malheureusement, ils ont contourné ce dispositif et maintenant c'est la nuit ou à l'aube qu'ils viennent déverser les ordures. C'est déplorable, c'est totalement immoral et déplacé. C'est contre la vie en communauté que des gens, parce que sachant bien qu'ils sont en faute, c'est pourquoi ils choisissent des heures où il y a moins de circulation pour venir, où nos agents ne sont pas disponibles pour venir déverser les ordures. Au maire de la commune Niamey 5 de rassurer que des mesures idoines sont désormais prises pour éviter ce genre de désagrément. Et désormais, des mesures vont être prises pour que le pont soit surveillé H24 afin d'empêcher ce genre d'agissement. Et en tout cas, je profite de votre micro pour lancer un appel à l'ensemble de la population niamienne, parce que l'affaire de salubrité est une affaire de tous. Ce n'est pas seulement la mairie. Et donc, je demande à nos concitoyens de veiller également, en tout cas de dénoncer à chaque fois que vous trouvez quelqu'un en train de déverser des ordures, c'est d'informer tout de suite. Il y a une position de la gendarmerie juste derrière à côté du pont. Toute charrette chargée d'ordures sera empêchée de monter sur le pont. C'est ça la mesure, en fait. On va empêcher aux charrettes chargées d'ordures de monter sur le pont, d'accéder au pont. Notons enfin que la salubrité de notre environnement est l'affaire de tous. Ainsi, chaque habitant de la capitale doit se constituer en agent de police sanitaire pour empêcher que certains, par inconscience ou sciemment, ne nuisent à l'environnement. Il est désormais une tradition pour les responsables du musée national ou musée Boubouhama de Niamey à l'occasion des grandes fêtes, notamment la fête de Ramadan et celle de Tabaski, d'organiser des journées donc au sein de cette institution, des journées qui se poursuivront jusqu'en fin week-end, en tout cas à l'occasion de cette fête de Tabaski, avec à la clé de jeux, de la musique d'Andali et surtout les zoos bien garnis, nous rapporte Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Fidèle à sa tradition, le musée national Boubouhama ouvre ainsi ses portes à la population, notamment les jeunes, pour des journées récréatives à l'occasion de la fête de Tabaski. Ainsi, le public s'est déplacé en grand nombre pour passer des moments inoubliables. J'ai fait des jeux pour m'amuser bien. J'ai vu les animaux sauvages, les lions, les hippopotames, les autruches. Et les animaux domestiques. On est venu s'amuser avec mes petits frères. Je passe plutôt bien. J'ai beaucoup aimé le fait de jouer. Des jeux et aussi des musiques et aussi des nouveaux animaux à amener. Comme les zèbres et aussi les cerfs, etc. Je suis venu découvrir plein de nouvelles choses, comme les dinosaures, les découvrir. Pour davantage faire plaisir au public, le musée national entend renforcer davantage le potentiel de son zoo. Comme vous voyez, l'année passée, à pareil moment, on avait, si vous voulez, beaucoup d'espèces qui manquaient. Mais aujourd'hui, ça cadre d'abord avec, surtout avec l'arrivée d'un couple de zèbres qui viennent de l'Afrique du Sud. Nous avons aussi des autruches, nous avons des grandes gazelles. Nous avons aussi les babouins, un couple de babouins qu'on a amené. Nous avons l'un de l'autre, en tout cas, et une diversité progressive du musée qui porte aujourd'hui à 146 éléments afin d'individus, des animaux qui sont là. Nous avons aussi en projet amené encore un autre couple de buves. Nous avons également notre programme qui va nous permettre d'amener un couple de kangourous. Qui dit kangourou, donc il faut aller jusqu'en Australie. Et en matière de distance, nous pensons que c'est un truc qui intéresse le public. Le musée le fera avec fierté. Du côté de l'État, certes, le programme de réhabilitation va aussi toucher, si vous voulez, la constitution d'une aire en semi-liberté, là où on va placer les lions, pas dans les cages comme vous voyez ici. Parce que la biodiversité, c'est d'abord le respect des écosystèmes. L'animal, il faut essayer de le mettre dans son contexte naturel. C'est vrai, il faut essayer. Et naturellement,
Nous voulons faire la même chose pour les buffles qui vont arriver. Nous allons faire la même chose aussi pour les kangourous qui vont arriver. Maintenant, du côté aussi de la diaspora, et l'effort qu'on leur demande, c'est vraiment de faire de ce musée comme leur propre musée. Parce que le musée n'a pas à faire de limites. C'est vraiment un patrimoine qui est là, tant pour la population nationale, internationale. Donc c'est aussi leur musée. Ils ont aussi cette obligation morale de contribuer à l'évolution de ce musée. Force est de constater que les responsables du musée national et au-delà les plus hautes autorités du pays sont plus que jamais déterminés à faire du musée national Boubouhama la vitrine de la culture nigérienne, donnant envie d'être visité et revisité. Après la fête de Tabaski, l'on constate un ralentissement de la plupart des commerces, notamment dans les centres urbains comme Niamey. Cependant, pour d'autres, c'est la période propice pour mener leurs activités à l'image de ces s'adonnant à la tannerie. Reportage Assama Ousseidou, chef du Sou. Deux jours après la fête de Tabaski, fête pendant laquelle il est recommandé à tout musulman ayant les moyens de sacrifier une bête. L'heure est à l'écoulement des peaux des bêtes sacrifiées, chose qui se fait dans certaines artères de la capitale ou encore à la tannerie de Kamkali. Un travail à la chaîne au cours duquel est utilisé multiples produits. Le travail commence par étape par étape. C'est comment tu vas faire d'abord pour le tannage. 72 heures, dès l'inatron et de la choux. On lève l'épaule, après on met les patakas, arbre qui s'appelle les patakas en ça. Un jour, on lève les petits poils qui restent sur les peaux. Après, on amène à la cassane verticale. On peut vider trois fois, deux fois par jour et demain matin, on peut vider une fois. Et on lave, on met de l'arachide et du sel. Et séché, et tirer une à une des peaux. Ok, d'abord, ça donne à sa surface normale. C'est un bon travail pour moi. Je n'ai aucun travail qui ça. Je n'ai qu'il te pas, je vais uniquement cliquer le tannage. La fête de Tabaski est une grande opportunité pour ces artisans. Nous profitons les fêtes de Tabaski pour avoir beaucoup d'époux. Ils viennent des villages environnants qui étaient Ragoté, Torodi et Kolo. En dehors de Mali, nous avons besoin d'autres pays qui viennent collecter des peaux. Pour avoir beaucoup de clients. Depuis 1986, j'ai commencé ce travail-là. C'est là que j'ai ma vie. Je mange dans les tanneries, je marie et j'ai besoin de quelque chose depuis dans ce travail-là. Il y a les Touaregs qui viennent de Mali, qui viennent payer des pots pour faire des hameaux avec les pots. Cependant, ces travailleurs appellent les autorités de leur venir en aide en matériel de travail. Des pots, ces pots, une fois travaillés, sont transformés en plusieurs produits utiles en cuir. Merci Assama Ousseidou. Reste avec nous cette fois-ci pour nous parler de cette situation ici au niveau de la capitale, notamment le cas des animaux errants tout au long de la journée. Assama Ousseidou et Cheb Guisso se sont intéressés à ce sujet. Dans la ville de Niamey, l'on constate des animaux qui errent un peu partout. Des animaux qui sont censés être élevés dans les maisons ou encore les amener au pâturage sont malheureusement laissés à eux-mêmes, causant ainsi beaucoup de préjudice à la population. Si les gens veulent élever, ils n'ont qu'à garder les animaux chez eux ou bien envoyer en brousse. Il y a des bergers qui sont en brousse, leur spécialité, c'est accueillir les animaux des gens qui sont dans les villes, les garder avec eux et on leur paye un truc mensuel par exemple ou bien... Ils ont vraiment quelque chose qu'on leur donne pour garder les animaux déjà. Il y a beaucoup d'inconvénients de laisser les animaux errer dans les villes. Quand vous prenez le cas de la circulation, ça bloque la circulation. Et puis le fait de rentrer dans les maisons aussi déjà, vraiment, ils font beaucoup de dégâts. C'est mieux de les garder chez eux si vraiment ils veulent faire de l'élevage ou bien de les envoyer en brousse. La meilleure solution. Pour la bonne image de la capitale, les propriétaires de ces animaux doivent les mettre dans des enclos ou les donner aux éleveurs pour le pâturage. Aussi, les autorités en charge doivent prendre des mesures afin d'éradiquer ce fléau. Merci Assama Ousseidou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.